They told me, upon them, if you know, Nous sommes en direct de la morgue. On vient d'arriver avec les corps de l'excellent chérubin Okende à la morgue. Mais corps n'a pas qui s'est en moutoukate. On attend qu'il y ait un corps qui s'est en moutoukate. Pour me écouter à la morgue. On est là avec la famille. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes en direct de la morgue. On vient d'arriver avec les corps de l'excellent chérubin Okende à la morgue. Mais corps n'a pas qui s'est en moutoukate. On attend qu'il y ait un corps qui s'est en moutoukate. Pour me écouter à la morgue. On est là avec la famille. Normal qu'il ait été convoqué à la cour constitutionnelle pour se justifier sur le prétendu bien qu'il aurait acquis pendant qu'il était ministre et qu'à la même occasion il a été enlevé et le lendemain il soit déclaré mort. Donc nous estimons qu'il a été assassiné dans des circonstances suspectes et nous connaissons son opinion qui est ferme face au pouvoir actuel après avoir quitté le gouvernement par conviction. Aujourd'hui, il sait s'exprimer régulièrement sur la marche du pays et nous avons l'impression que sa parole gênait les uns et les autres et nous croyons de cette manière qu'il a été assassiné. Et donc, nous estimons aujourd'hui qu'on doit respecter l'opposition. Si on veut de la démocratie, laissez la place à la démocratie, soyons des gens civilisés, échangeons nos opinions et respectons-nous. Qu'est-ce que vous demandez, l'ouverture? Parce que nous estimons aujourd'hui que la justice congolaise est instrumentalisée et ne pourra rendre des jugements qu'en faveur des personnes qui nous gèrent aujourd'hui et qui ont confisqué la justice, qui ont confisqué la CENI, qui ont confisqué tous les instruments de la gestion de la République, y compris l'Assemblée nationale, qui a été pris à coup de billets de dollars. Commettre contre un porte-parole d'un parti de l'opposition. Nous sommes en démocratie et nous estimons que l'opposition a sa place et qu'on doit tolérer, respecter les opinions diverses et que quoi qu'il arrive, peu importe les fautes qu'on peut commettre en démocratie, il y a une justice pour les gérer. Assassiner un député, c'est assassiner la démocratie et ça, nous ne le tolérerons jamais. On ne va pas nous museler parce qu'on a tué l'un d'entre nous, nous continuerons à parler et à parler fort. Que le peuple congolais se rende compte aujourd'hui que nous sommes face à une dictature, que l'on commence à museler la parole de ceux que vous avez élus pour parler à votre nom. Et donc, nous allons commencer des marches pour pouvoir protester régulièrement pour que le peuple se rende compte que nous ne sommes plus gouvernés par des gens civilisés, mais nous sommes face à des assassins qui tuent les personnes qui s'expriment. Mais quel lien entre son maire et Baoti Kobomaye ? Les alliés inadmissibles dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national par rapport à ma conviction naïe. Yango, tous ceux qui ont le peuple congolais mobimba, et telema, endima et lokoanate,
qu'un représentant du peuple a bombardé le col à moi. Et ça est inacceptable. Et puis, si on a une opposition, donc ça, l'activité, pour te revendiquer, pour te contester, maître Oyo. Merci beaucoup.